Bonjour Françoise. Bonjour. Nous sommes dans la Villa Elia. Et la Villa Elia, qu'est-ce que c'est ? La Villa Elia est une maison qui se trouve à l'intérieur du village de Sauveterre de Rouergue, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Et elle est vraiment à 10 mètres à vol d'oiseau du site très très beau que représente la place des Arcades. Quand j'ai découvert cette maison, c'était une ruine pratiquement, c'est une maison naturellement très ancienne, dont j'ai pris un grand plaisir à la restauration. Et dans la mesure où j'avais déjà eu une activité de maison d'hôte dans une autre région, qui est aussi une région vraiment d'émotion, le Luberon en Provence, j'ai décidé de renouveler l'aventure et de l'ouvrir et d'accueillir donc, je l'espère, des hôtes venant de beaucoup d'horizons. Alors cette maison pour l'instant a deux chambres d'hôtes qui sont assez personnalisées, qui sont raffinées, qui sont, je pense, très agréables à vivre. Ces chambres ne se cantonnent pas à des nuitées, d'occupation. Elles se situent dans une maison que je compte vraiment ouvrir et mettre à la disposition des hôtes que je reçois. Il y a un grand espace de vie avec une cuisine, avec également un bel extérieur devant la maison qui est paysagé, qui est ensoleillé. Et tout cela fait partie d'une prestation qui, je pense, plaira. J'ai volontairement opté pour une décoration, une ambiance zen, épurée, avec des matériaux très simples mais raffinés et des couleurs allant du ficelle au taupe clair, au beige et au gris. Parce que pour tout vous dire, j'adore les gris et les gris très très clairs. Bien, Françoise, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer et puis à faire partager naturellement bonheur d'habiter cette maison.